ça m'impressionne, les arrêts au stand en Formule 1, ça va être ultra vite. Faut dire, il y a grave de monde sur la voiture, mais il y a combien de mécaniciens autour de la voiture pendant l'arrêt au stand? Parce que j'ai pas compris. C'est vrai que pour faire des arrêts au stand de moins de 2 secondes, il faut quand même pas mal de monde. Mais il faut pas se mélanger les pinceaux et chacun a un poste très important. Dans cette photo, il y a au total 21 mécaniciens. 21, c'est plus que 20, mais c'est moins que 22. Rien à voir. Ici à l'arrière, on va avoir un mécanicien qui va venir soulever la voiture par l'arrière. Toi, ton but, c'est de soulever des meufs? Eh ben lui, c'est de soulever la voiture. Ensuite, on va avoir 3 mécaniciens par roue. Donc, vu qu'il y a 4 roues, 4 x 3, 12. Il y en a un qui a le pistolet pour dévisser et visser. Et un qui retire la roue usée. Et l'autre qui met la nouvelle roue. Au milieu, on va avoir 2 mecs qui vont venir stabiliser la voiture pour éviter qu'elle bouge. Un mec ici qui va venir superviser en cas de problème. Et sur l'avant, on va avoir un autre mec qui va venir soulever la voiture. Toujours 3 mécaniciens par roue. 2 qui vont venir faire quelques ajustements sur l'aileron avant. Un autre juste ici, en cas de problème, qui va venir aider. Et lui, il va donner le feu vert pour dire que la voie est libre dans la pit lane. Comme